là et je voudrais d'abord remercier les trois intervenants qui sont venus aussi de parfois de loin jusqu'ici pour être là malgré toutes les difficultés des transports et des déplacements. Je suis très content d'introduire cette séance qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est des thématiques de certaine manière proches des mes thématiques de recherche, parce qu'effectivement c'était une volonté de réinterroger une question qui est assez centrale en histoire économique et sociale comme celle de la valeur de la terre, mais justement d'essayer de voir dans quelle mesure une perspective interdisciplinaire permet de revenir sur cette notion traditionnelle. Alors nous avons trois intervenants qui ont des points de vue différents et des regards différents. On va commencer par Céline Plessis, qui est historienne, qui est au laboratoire SADAP d'AgroParisTech. Ensuite, on aura Bate Karimi, qui est plutôt biologiste et qui travaille sur l'écologie et les problèmes du sol. Ouais. Dans Nova Sol Expert, c'est un cabinet de conseil. C'est ça. Et enfin, Adrien Besselené, qui est géographe chargé de recherche au CNRS au laboratoire PACT de l'Université de Grenoble. Voilà, je n'ai pas fait deux. Donc, on va tout de suite commencer parce que on a demandé à chacun d'intervenir pendant une demi-heure environ. Donc, on commence avec Céline Plessis, qui, justement, je pense qu'elle va intervenir à présenter une spécialiste de l'histoire des sols et de la pédologie. Elle était aussi consacrée sa thèse au centre Alexandre Couillard. Donc, je te laisse la parole. Et merci encore. Et merci à vous. Et bien, merci beaucoup. Moi, je suis très contente aussi d'intervenir devant vous avec ces trois interventions. J'espère que ça va pouvoir dialoguer et j'ai bon espoir. J'espère que ce ne sera pas déçu, mais... Donc moi, je vais essayer de vous présenter effectivement une petite synthèse de choses que j'ai développées plutôt sur la fin de ma thèse et dans le cadre de mon post-doctorat et sur lesquelles je travaille encore. Donc c'est une présentation que j'ai intitulée « La vie des sols durant les 30 Glorieuses, savoir, ignorance et mobilisation socio-environnementale ». Alors, qu'est-ce qu'un sol vivant? Donc dans une perspective plutôt de sciences humaines et sociales, contemporaines. Donc d'abord, un sol vivant, et c'est sans doute ce qu'on verra le plus avec la seconde intervention, c'est d'abord une conception scientifique, inspiré de la biologie, voire même de la microbiologie, ou de la pédologie, comme dans ce gros ouvrage de synthèse, en sachant que la pédologie, ça dit plutôt « soil science » en anglais, que la traduction est pas... ça ne veut pas dire exactement la même chose non plus. Les sols vivants, ce sont aussi des moyens de plus en plus de gérer les problèmes environnementaux, avec une fonction, par exemple, de dépollution. Les sols vivants, c'est aussi de plus en plus dans les rayons des librairies une façon de prendre soin du vivant dans ses dimensions multispécifiques, donc pour des adeptes de la permaculture ou du jardinage écologique. Et enfin, peut-être plus encore, c'est un nouvel Eldorado pour des firmes agrochimiques, et en particulier Monsanto a beaucoup investi dans les intrants microbiens, donc qui promettent de maximiser les symbioses et les associations entre plantes et micro-organismes, par exemple pour fixer le nitrogène, pour solubiliser des éléments minéraux. C'est ce que vous voyez autour de The Bio Alliance. Et dans le domaine, la génomique vient réactiver en fait d'anciennes promesses, puisque les intrants, fabriquer et inoculer des intrants microbiens, c'est quelque chose qui a été abondamment promu au début du XXe siècle, notamment aux États-Unis, en URSS, en Allemagne et plus modestement en France, avec des succès relativement limités. Et
Enfin, peut-être autour de cette notion émergente des sols vivants, il y a une approche sanitaire en termes de santé qui s'affirme, et notamment cette année à la FAO, autour de l'expression des sols pour la nutrition, donc qui renoue avec une approche en termes de santé publique qui fut notamment en vogue dans les années 50 dans certains milieux médicaux, et hier comme aujourd'hui autour de la critique des effets des engrais minéraux de synthèse sur la santé humaine. Donc les sols vivants, et ce que j'essaye de prendre comme objet d'étude, c'est des objets de savoir et de mobilisation aussi, qui sont historiquement construits et évolutifs, mais également qui sont des objets qui sont affectés par des processus d'oubli et d'ignorance, avec des moments où certaines conceptions ressurgissent, se réaffirment. Historiquement aussi, ce qu'on considère comme vivant dans les sols est quelque chose qui évolue selon les périodes. Donc, une notion avec une histoire relativement longue, c'est ce que je vais essayer de vous présenter rapidement, et qui semble réémerger comme problème public, comme problème environnemental aujourd'hui. En ce qui concerne plutôt les dernières décennies, je vous renvoie aux travaux des sociologues et en particulier de Céline Granjou et d'autres collègues qui traitent de cette question, de la difficile émergence des sols et de la vie des sols comme problème public. En particulier, les difficultés qu'il y a eu des approches en termes de biodiversité pour traiter de ces sols vivants, et au contraire plutôt du succès des approches carbone aujourd'hui. Donc qui en ce qu'elle permettrait une nouvelle alliance avec les mondes agricoles, les agriculteurs n'étant plus accusés de dégrader les sols avec ces nouvelles approches, mais au contraire étant valorisés pour leur contribution à la sauvegarde des sols agricoles. Mais je vais plutôt essayer de revenir sur une perspective plus longue, donc de ce travail de mise à l'agenda des sols et de leur vie dans les politiques agricoles et environnementales françaises principalement. Alors, donc les grandes questions que je me pose, c'est quels acteurs, quelles disciplines scientifiques et plus modestement, quelles politiques ont tenté justement de lutter contre l'oubli de la dimension vivante, organique des sols des années 30, de la Grande Dépression des années 30 à en gros l'entrée en crise du productivisme agricole dans les années 70. Alors, juste deux mots sur la perspective qui est la mienne. Je vous propose de suivre, plus par petits éclairages, le travail d'acteurs qui sont d'abord relativement dominants dans les années 30 et qui vont être plutôt marginalisés durant la période dite des 30 glorieuses, qui sont des microbiologistes, des agriculteurs, des hygiénistes, des médecins, voire des aménageurs, et qui ont donc porté des voix critiques durant cette période de modernisation. Et plus largement, mes travaux s'inscrivent dans un champ historiographique qui se propose de relire cette modernisation de l'après-guerre, qui a plutôt été dépeinte comme une période de consensus sur les bienfaits du développement scientifique et technique, pour mettre à jour des phénomènes de conflictualité socio-environnementale, avec également des approches scientifiques divergentes, plutôt mineures, minorisées, mais à la marge des institutions, mais pas toujours en vert. Il s'agit pour moi, par là, de donner à voir une historicité des débats actuels et aussi d'interroger à travers donc ces sortes d'occasions manquées où on va parler d'undone science pour qualifier une science qui n'a pas forcément été produite mais qui était objet de mobilisation, de revendication de la part de différents mouvements.
Et donc, en interrogeant ces difficultés passées à faire émerger les sols comme objet, il s'agit aussi de produire une réflexion sur la faiblesse de notre outillage scientifique et pratique actuel. Et à partir de là aussi de questionner les renouveaux qu'il peut y avoir aujourd'hui. Alors, je vais passer rapidement. Donc, juste pour vous dire que moi, c'était vraiment quelque chose qui s'est affirmé de plus en plus dans mes travaux de recherche, c'est de considérer le sol dans sa fragilité, sa complexité, le fait que ce soit un objet scientifique difficilement réductible et difficilement appréhendable, récalcitrant, c'est quelque chose qui permettait du coup de montrer aussi les limites, l'incomplétude du processus de modernisation agricole. Donc de décrire des trajectoires plurielles de développement rural. Alors, j'en viens au cœur de mes affaires. Donc, je vais distinguer un peu trois périodes. Donc, pour cette histoire des savoirs et des mobilisations autour de la vie des sols. D'abord, la période de l'avant-guerre, donc, qui apparaît vraiment comme un contrepoint indispensable pour comprendre l'effacement ultérieur de savoirs qu'on peut qualifier d'agro-environnementaux, pour dire toute leur diversité et complexité. Et qui s'incarne dans l'avant-guerre, dans une politique des terroirs. Ensuite, je reviendrai un tout petit peu plus longtemps sur la période de la 4e République, donc, qui est une période qui me semble importante parce que c'est un moment d'ouverture un peu des possibles, qui est marqué par une série d'alertes à l'échelle à la fois internationale et par des mobilisations locales autour donc de la défense de la qualité des sols et des produits agricoles. Donc une période à la fois d'ouverture et aussi de verrouillage, on verra, de verrouillage institutionnel. Et enfin une troisième période sur laquelle je passerai beaucoup plus rapidement, donc autour des débuts de l'agriculture biologique, donc à partir de la toute fin des années 50, qui marque un renouveau des savoirs sur la vie des sols, qui est une occasion, relativement manquée aussi, mais néanmoins une occasion de refondation, de tentative de refondation des politiques agricoles. Première période, donc, dans l'avant-guerre, dans les années 30, dans la sphère agronomique, à proprement parler, il y a un ensemble de savoirs environnementaux relativement complexes qui sont reconnus, valorisés, voire traduits en politique, et donc qu'on peut appeler une politique des terroirs. Les sols sont alors fréquemment comparés à un organisme vivant, selon les termes d'Albert de Meuron et d'autres. On étudie alors les processus biologiques des sols et leur histoire naturelle et singulière liée à des lieux spécifiques, les transformations de leur métabolisme aussi, et tout ça dans un contexte de surproduction agricole et de préoccupation pour la qualité des produits. Donc, les agronomes français sont alors inspirés par la science du sol russe, dont l'introduction en France avait précédemment échoué. C'est tout le début de la pédologie en agronomie. Et dans cette période donc, de crise économique, on valorise alors fréquemment le dynamisme microbien, comme on voit dans cette citation d'un agronome qui est un spécialiste, peut-être le spécialiste du machinisme agricole dans l'avant-guerre, et qui nous dit « Pour diminuer les frais de production, il conviendrait d'utiliser davantage les forces gratuites de la nature, aussi bien les agents atmosphériques que le puissant et trop méconnu dynamisme microbien pour réaliser des économies d'engrais, et ne considérer le matériel cultural, donc entendre le machinisme agricole, non pas comme l'unique moyen de travailler la terre, mais comme un auxiliaire et un correcteur des forces fantaisistes de la nature. » Une autre contribution
vision de cette science du sol renouvelée, de l'avant-garde, c'est de contribuer à définir les terroirs ou les crues. Donc, les crues sont définies comme résultant de l'association entre une variété donnée et un environnement, donc sol et climat, spécifique. Donc, pour De Molon, qui est l'inspecteur général des stations agronomiques, déjà, la notion du terroir ou du cru, dit-il, exprimée par les désignations locales, trouve sa justification dans la définition des types génétiques. Alors, sans m'apesantir sur les détails scientifiques, ce qu'on peut dire, c'est que ces spécialistes des sols, ils travaillent alors étroitement avec le Comité national des appellations d'origine, donc l'ancêtre de l'INAO, qui est créé en 1935, et qui vise à résoudre la crise agricole en améliorant la qualité des produits. Et donc, avec cette adéquation entre un terroir et une production, il s'agit en partie d'améliorer donc la qualité et de résoudre la crise agricole. Et c'est ce que s'attelle aussi à faire l'Institut pédologique du Bas-Rhin, donc, qui est le premier organisme qui reprend cette appellation de pédologie, et qui va dresser des cartes à grande échelle des sols en vue d'améliorer la qualité des semences de pommes de terre et de blé en les adaptant au terroir. Donc dans cette conception, la pédologie considère vraiment le sol comme un organisme vivant avec une histoire singulière qui lui confère des spécificités de culture et des liens privilégiés à la qualité alimentaire. Donc, et c'est dans ce contexte, donc, c'est la création aussi du laboratoire des sols à Versailles, et donc c'est dans ce contexte de revalorisation d'une microbiologie qui était un petit peu détruite par la Première Guerre mondiale, d'acclimatation des sciences du sol russe, qu'il faut vraiment comprendre la bonne réception en France de la biodynamie, et en particulier de Pfeiffer, donc, dont l'ouvrage de 1938, qui est publié en 5 langues à l'échelle de l'Europe en même temps, et qui trouve qu'il y a par exemple une recension dans le Figaro agricole et qui est cité et discuté par un certain nombre d'experts agronomiques, à commencer par Albert de Molon, donc, qui est la figure dominante de l'agronomie et des sciences du sol dans l'avant-guerre. Puisque cette biodynamie s'inscrit vraiment dans ses préoccupations pour la biologie, la qualité des sols, avec cette idée plus large aussi de régénération des sols et des paysanneries et des campagnes. Donc, on est dans un paradigme qui est relativement donc, autour de cette conception vivante biologique des sols qui est relativement partagée et dominant dans les sphères agronomiques de l'avant-guerre. Donc, plus largement, hein, on peut évoquer des échos aussi ces politiques de conservation des sols et de leur qualité autour du lien entre conservation des sols et de leur vitalité et une identité paysanne et nationale, autour par exemple de l'expression « terre qui meurt » qui se retrouve énormément dans le premier XXe siècle et qui désigne le phénomène et sa critique d'exode rural. C'est aussi des préoccupations qu'on retrouve dans les politiques forestières, climatiques et de la science écologique naissante, en particulier dans la lutte contre l'érosion en montagne depuis le milieu du XIXe siècle. Et au début du XXe, tout particulièrement dans les colonies, avec des politiques fortement répressives qui ont été bien documentées par les historiens. Donc, ces préoccupations sont d'ailleurs loin d'être propres à la France hein, et à son empire, et elles ne sont pas non plus éclipsées par la guerre. On retrouve par exemple une inflation de ce type de discours sur les sols, leur vitalité, leur qualité, à la fois dans l'Europe nazie, l'Allemagne en particulier, mais aussi aux États-Unis, en lien direct avec les dégâts du Dust Bowl,
ou encore en Grande-Bretagne, où est créée pendant la guerre la Soil Association, donc par Lady F. Balfour, qui est considérée comme une des premières grosses associations d'agriculture biologique. Ces préoccupations pour les sols et la vie des sols se retrouvent aussi dans les plans de modernisation et de développement qui sont élaborés à la fin de la Seconde Guerre mondiale donc à l'échelle française et plus largement également dans les institutions internationales qui sont créées à ce moment-là, en particulier à l'UNESCO et à la FAO, la question de la dégradation des sols est importante dès l'immédiate après-guerre. Donc j'en viens au deuxième temps de cette histoire à grands traits. Donc cette période d'après Seconde Guerre mondiale. Donc la dégradation des sols, c'est alors un problème à l'ordre du jour international, donc qui est très discuté dans les grandes conférences sur la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, donc qui marque les débuts de la FAO et de l'UNESCO, avec un certain nombre d'ouvrages de best-sellers, comme ceux de William Vogt ou Fairfield Osborne, qui citent par exemple la fragilité du sol vivant, et qui l'oppose volontiers à la démesure technicienne ou aux flatteries de la science, et donc qui sont des ouvrages très importants, des best-sellers internationaux, qui marquent les débuts, les débuts des institutions internationales sous le signe de grandes alertes environnementales néo-malthusiennes. En France, on a des échos importants, par exemple avec la création de l'association L'Homme et le Sol en 1946, et qui vise à sensibiliser agriculteurs et décideurs aux enjeux de conservation des sols, et qui va se doter d'une prestigieuse commission scientifique et technique, et qui va lancer ce qu'elle appelle une croisade pour l'humus. Alors, on utilise le même terme aux États-Unis à ce moment-là, et qui connaîtra un certain succès, à la fois auprès d'hommes politiques, auprès d'industriels, et au sein des mondes agricoles. Aussi bien auprès de la vieille Société des agriculteurs de France, qui est un bastion conservateur et traditionnaliste, que auprès des chambres d'agriculture, qui se reconstitue dans l'après-guerre et qui s'affirme comme un organe clé de structuration d'une profession agricole moderne. Dans le sillage de L'Homme et le Sol, se constituera l'Association pour l'étude de la fertilité vivante des sols au début des années 1950, qui rassemble beaucoup de membres de l'Académie d'agriculture, qui s'inspire notamment de Pfeiffer, donc un biodynamiste à dimension plutôt agro que spirituelle, et qui entreprennent cette association l'étude des maladies du sol, et qui vont créer une commission spéciale d'études du travail du sol à l'Académie d'agriculture. Alors, jusqu'au milieu des années 50, on a de nombreux agronomes et agriculteurs qui sont préoccupés par la perte de la vie du sol, donc à la fois dans les savoirs agronomiques et dans les champs en termes de flux de matière. Et ça, c'est particulièrement vrai, ça se voit particulièrement quand on étudie les discussions autour de la motorisation agricole, donc, puisque c'est le moment où les tracteurs se diffusent à grande échelle, c'est une des grandes priorités du plan Monnet. Donc, les principales transformations qui sont engendrées par la motorisation sont accusées de causer une dévitalisation du sol. Donc, si j'ai dépouillé les principales revues des mondes agricoles de cet après-guerre, et c'est des préoccupations qu'on retrouve dans toute la presse à échelles diverses. Par exemple, on peut lire que les systèmes agricoles insuffisamment diversifiés, les labours mécaniques répétés,
la raréfaction des animaux de travail résultant de l'emploi des tracteurs précipite cet appauvrissement des sols. Dans la revue des champs de l'agriculture, on peut lire également « L'usure des sols, les pertes d'humus caractérisent les pays puissamment motorisés ». Alors, cette littérature, elle s'articule beaucoup autour de ce spectre du Dust Bowl, donc c'est cette période de sécheresse et de tempête de sable qui a marqué les États-Unis d'avant-guerre, qui marque l'épuisement du front pionnier américain. Et du coup, il y a de nombreux débats sur le modèle américain et sur la motorisation. Et on a la valorisation, au contraire, d'alternatives technologiques comme cette charrue à disque qu'on promeut pour protéger les bactéries qui fixent l'azote de l'air dans le sol. Un autre point important, c'est la valorisation du fumier et sa persistance, donc, à un moment où sont activement promus également les engrais. Et donc, dans des enquêtes qui sont menées par l'Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture, donc il y a une instance consultative qui mène des enquêtes à l'échelle départementale, donc il y a une série d'enquêtes dans cet après-guerre qui portent vraiment sur les sols et qui font remonter des alertes assez fortes des différentes chambres d'agriculture. Et le fumier est une question capitale. Par exemple, la Chambre d'agriculture des Ardennes dit « la terre est un être vivant et le fumier est d'une importance capitale ». Mais cette préoccupation, elle ne vient pas seulement des chambres d'agriculture, enfin des départements où il y a un élevage très important, mais ça vient aussi des régions qui ont commencé à se spécialiser en grande culture et donc avec... Et cette défense du fumier, ça marque au contraire le refus d'abandonner son bétail et donc d'acter de cette séparation entre grande culture et élevage. Donc c'est ce qu'on voit par exemple dans la chambre d'agriculture de Seine-et-Oise qui nous dit « Nous ne savons pas si ceux qui cultivent sans fumier courent au désastre ». Donc la défense du fumier donc, qui représente concrètement cette alliance entre déjection animale et paille et grande culture, donc ça marque cette défense d'un système de polyculture-élevage auquel un certain nombre d'agriculteurs restent attachés. Donc plus largement, jusqu'au milieu des années 50, il me semble que la présence animale en grande culture ou la promotion d'outils de travail du sol respectueux de la vie du sol et des bactéries ou encore la promotion d'engrais organiques ou de bonnes méthodes de confection du fumier sont des questions techniques, des options techniques qui sont considérées avec attention aussi bien à l'Académie d'agriculture que parmi certains segments influents de la profession agricole. Donc on a la défense, la promotion de phénomènes productifs qui sont vraiment liés à la microbiologie du sol, à l'entretien de la vitalité du sol, donc qui sont considérés comme des options techniques non pas marginales, mais activement défendues et qui vont au contraire, à la toute fin des années 50, être plutôt disqualifiées et requalifiées comme marginales. Donc les États-Unis joue un rôle complexe dans ce processus et on a toute une promotion d'un modèle américain, alors assez complexe, qui aurait sauvé ses sols suite au Dust Bowl et une part de l'aide américaine porte aussi sur cette question avec notamment la diffusion d'un manuel de conservation du sol avec une série de techniques de conservation des sols, ce qui alimente pas mal de discussions au sein des agronomes, des forestiers, de la profession agricole. Donc, à très grands traits, en France, on a un modèle qui s'affirme, qui emprunte des choses, il me semble, à ce modèle américain, mais pas tout.
par exemple, on va rejeter complètement la question d'avoir des grands secteurs d'aménagement comme celui de la Tennessee Valley Authority qui est promu aux États-Unis. Et on va avoir aussi, c'est le troisième point, une faiblesse très importante de la pédologie qui s'affirme alors aux États-Unis et dans d'autres pays européens comme la science de la conservation des sols. Ce qui se passe en France, c'est que la pédologie va vraiment se restreindre aux grands secteurs d'aménagement régionaux qui sont pris en charge par des compagnies d'aménagement du territoire et elle va se centrer sur une conception très physique, très statique des sols, il me semble. Et tout ce qui est dimension plutôt biologique, microbiologique, va être relativement éclipsé. Et on assiste à une réduction, donc à la promotion d'un sol inerte et standard, qui se réduit donc à ses propriétés physico-chimiques. Donc, concrètement, d'un point de vue scientifique, on n'embauche pas de biologistes, microbiologistes des sols, vraiment très 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 peu par rapport à l'essor de la physique, bon, et bien sûr de la chimie, mais qui existait déjà beaucoup. Et les bâtiments même où se pratiquaient des sciences du sol plus organiques ne sont pas reconstruits. Donc le laboratoire des sols de Versailles est reconstruit très tardivement, l'institut pédologique du Bas-Rhin a été détruit, n'est pas reconstruit, etc. Donc on a une approche beaucoup plus physique qui domine, autour notamment donc, de Stéphane Hénin, qui est le spécialiste des sols de l'après-Seconde Guerre, et qui va développer ce qu'on appelle le bilan humique, donc, qui est une métrologie de la matière organique à conserver dans les sols en vue de supporter une productivité agricole étendue. Donc on considère vraiment l'humus, dont Stéphane Hénin propose d'abandonner le terme parce qu'il a trop de connotations métaphysique, l'humus se réduit donc vraiment à une vision statique de la matière organique. Donc cette vie du sol disparaît ainsi de la recherche scientifique, puis à la fin des années 50, elle va aussi s'éclipser des préoccupations vraiment de la profession agricole, qui s'implique alors dans la mise en œuvre des politiques agricoles et qui renforce ses liens avec les entreprises de chimie agricole et de machinisme agricole. Donc à ce moment-là, toutes les préoccupations pour la vie des sols vont devenir plutôt l'apanage d'une mouvance plutôt qu'on va qualifier d'hygiéniste, donc d'agriculture, de médecine et de santé naturelle. Donc on sort des mondes plus agricoles et agronomiques. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Ok. Donc je vais aller vite. Et du coup, c'est des préoccupations qu'on va retrouver en particulier autour de l'AFRAN, donc qui est l'Association française pour la recherche d'une alimentation normale, et qui peut être comparée à la Soil Association anglaise, et qui réunit à la fois les microbiologistes plutôt agricoles qui sont marginalisés des institutions agronomiques de l'époque et beaucoup des médecins, donc des membres de l'Académie de médecine, des inspecteurs des fraudes, quelques vétérinaires, et qui va avoir une audience non négligeable auprès d'une population plutôt de classe moyenne urbaine. Ce qui est intéressant, c'est que la France fait vraiment ce lien, va déporter ses sols vivants du côté de la santé en faisant un lien
du sol à la santé. Donc c'est le but, c'est de son slogan en quelque sorte, c'est de rétablir le normal dans la chaîne sol alimentation santé. Et donc c'est pour ça que l'association se dote, se constitue même autour d'un établissement agricole qui est le domaine du Combreau, qui est acheté par ses médecins. D'un point de vue scientifique, c'est vraiment la dimension microbienne des phénomènes qui permet de comparer le sol et le corps humain. Par exemple, dans sa thèse de médecine sur la qualité du pain, le docteur Jean-Pierre Reuaz va comparer l'action de la rhizosphère dans le métabolisme végétal à celle que l'on reconnaît à la flore digestive chez l'animal et singulièrement chez l'homme. On retrouve le même principe de symbiose indispensable, la même nécessité d'une population variée, dont chaque élément semble avoir son action propre. Trouvera-t-on dans l'humus le même genre de pathologie que dans la flore intestinale? Rappelons aux agronomes les accidents parfois dramatiques de l'antibiothérapie. Donc, on a vraiment cette idée qu'il y a une circulation des mondes microbiens, du monde du sol, en passant par les plantes et les animaux, au corps humain. Cette mouvance d'hygiène et d'alimentation naturelle va beaucoup se mobiliser du coup pour autour de la question du compostage et donc à l'échelle des fermes mais aussi à l'échelle des villes, donc autour de la question des ordures ménagères. Donc médecins, microbiologistes vont avoir une certaine audience auprès des techniciens municipaux, de l'assainissement. Et en fait, c'est la thèse d'Étienne Dufour qui montre que, par exemple, à l'échelle de la région Île-de-France, on va avoir encore la construction de pas mal d'usines de compostage des ordures ménagères, et donc le modèle de l'incinération ne va triompher vraiment que plus tardivement, plutôt dans les années 70. Mais ça, c'est vraiment le travail de cette mouvance qui vient plus autour de, par exemple, d'un Jean Kelling, qui était microbiologiste à l'INA, à l'Institut National Agronomique, et qui est marginalisé dans ces mondes agricoles, qui va s'investir à l'affront qui va avoir une certaine audience dans ces milieux de l'assainissement. Rapidement, c'est vraiment de ces mondes, plutôt de l'hygiène, de l'alimentation, de la santé naturelle, que va émerger ce qui va s'appeler l'agriculture biologique. Donc, et qui se structure autour de cette volonté de promouvoir des alternatives basées sur la vie du sol, sur l'intensification de ces phénomènes biologiques des sols. Il était même question d'appeler l'agriculture biologique agriculture fermentaire pour qualifier tous ces processus de compostage, fermentation. Donc, peut-être je vais m'arrêter là-dessus, mais du coup, ce qui me semble important dans ces débuts de l'agriculture biologique, et ma proposition, c'est de les considérer aussi comme une réaction à la production d'ignorance sur la vie des sols dans les milieux modernisateurs. Donc, loin de se faire en marge des mondes scientifiques, comme on le dit parfois, ou loin d'être porté par des questions uniquement politiques ou spirituelles, l'agriculture biologique semble vraiment naître au cœur des débats et des mondes agricoles de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc, elle se structure autour de ces débats sur la motorisation, sur les labours, sur les engrais organiques. On retrouve les mêmes acteurs qui sont investis dans les débats des années 50 dont je vous ai rapidement parlé, avec cette dimension sanitaire en plus. Voilà. Mais du coup, je passe un peu sur la suite et les renouveaux plutôt
porté par cette mouvance dans les années 70, avec quelques espaces où ça va devenir vraiment important, comme par exemple cette charte des sols qui est adoptée par le Conseil de l'Europe en 72, et où on retrouve cette préoccupation pour la vie des sols, avec autour de cette réflexion assez critique sur la mécanisation. Voilà, mais je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là et qu'on quitte à y revenir dans la discussion.